want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 15 de Fly Podcast Fly. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas perdu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas gagné non plus. Donc c'est là où les Eagles cette année arrivent encore à nous surprendre. Match nul face aux Bengals, on va décrypter ça avec vous, comme toutes les semaines. Et bienvenue à mes compères, Grégory et Loïc. Salut Loïc. Salut Victor, salut Greg. Salut Grégory. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Donc je disais, match nul. Alors, je vais faire un tout petit film du match, comme on l'avait fait aux semaines 1 et 2. Une première mi-temps très défensive, ça se rend coup pour coup. Vance fait sa petite interception. On y reviendra, c'est peut-être pas celle où il est le plus coupable. Finalement, à la mi-temps, on passe in extremis devant, 13-10. Bon, ça, on se dit pourquoi pas. En deuxième mi-temps, on se dit kefi, comme toutes les semaines, finalement, depuis le début de la saison. Et on est mené 23-16. À ce moment-là, enfin, on fait un drive correct. Et Carson Wentz finit à pied dans la end zone, 23-23, prolongation. Parfait, le momentum a changé, on y est. La prolongation, je vous la fais en une minute, mais qu'on soit bien clair dès le début sur ce qui s'est passé. Punt des Bengals. Nous, on punt aussi, punt des Bengals. À ce moment-là, Wentz fait son meilleur lancer du match, 30 yards pour Hurts, on se dit... On va aller marquer un field goal. Résultat, pénalité. On recule, on punt. On récupère à nouveau la balle. On se retrouve sur un field goal à 59 yards. Donc pas évident à jouer. Faux départ de Matt Pryor. Le field goal de 59 devient un field goal de 64. On se met à rêver du Eagles Giants de 2017. Et à ce moment-là, et c'est là où je vais vous lancer tout de suite là-dessus. À ce moment-là, Doug Peterson... Plutôt que ou jouer le field goal ou tenter la conversion à la passe, décide de punter. Donc, globalement, choisis de faire match nul. Grégory, je te lance tout de suite sur le sujet. Comment tu as vécu cette décision de punter et comment tu interprètes ça? Est-ce que Doug Peterson n'a plus confiance dans son équipe? C'est... Alors... Il faut aussi rajouter un dernier élément, je me permets, à ton excellent résumé, Victor, c'est qu'en face, vas-y. Ils avaient plus de temps mort et il restait 19 secondes pour eux. Donc, c'est-à-dire que, oui, à moins de faire deux passes latérales, de sortir du terrain, et... enfin, je veux dire, tu avais toutes les raisons de croire qu'ils auraient eu du mal à se retrouver en zone de field goal, en plus. Alors, non pas que ce soit impossible, mais que c'était compliqué, voire très compliqué. Je trouve que ça rajoute quand même beaucoup à la décision. C'est dramatique. Voilà, c'est dramatique. C'est dramatique parce que tu commences difficilement, tu fais une conférence de presse dans la semaine où tu dis « ça va aller, j'ai confiance en mes gars, tout va bien se passer ». Tu joues peut-être une des deux, trois plus mauvaises équipes de la Ligue. On a quand même joué, il faut préciser, hein, on est à 0-2-1 en ayant joué deux des trois plus mauvaises équipes de la Ligue. Je veux dire, c'est pas comme si on avait eu un calendrier démentiel. On n'a pas joué les Seahawks, on n'a pas joué les Chiefs, on n'a pas joué les Ravens. On n'a pas joué les Saints, on a joué des pipas. Hein, on part bien de ce principe-là. Donc, imaginez qu'après un début de saison aussi calamiteux, tu n'aies pas les couilles de tenter ce field goal, que tu ne fasses pas confiance à Jake Elliott, alors que, comme tu l'as dit, il y a un historique avec ce garçon qui avait lancé la saison avec le punt contre les Giants. Il le rate. So what? Il ne va rien se passer derrière. Il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé Burrow, mais derrière, il n'est pas un magicien parce que notre défense a tenu. Et leur attaque est quand même pas très bonne. Donc, quel risque tu prends? Bon, bah, il est trop court. T'auras bouffé en plus 4-5 secondes. Quel risque tu engages en faisant ça? Quel signal tu donnes à ta franchise? Quel signal tu donnes à tes joueurs? Je l'ai défendu contre vents et marées et contre vous, plus d'ailleurs que de raison, visiblement, ce bon Doug. Là, j'étais même pas en colère. Et je finis sur ça.
J'étais même pas en colère, j'étais stupéfait. C'était de l'incompréhension. C'était pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne le tente pas? Parce qu'il était mettable, en fait. Tu vois, il n'y a pas avant à 300 secondes, quoi. C'était. Donc, j'aimais même pas. Vous, vous étiez en colère, vous raconterez votre colère. Moi, sincèrement, là, les bras m'en sont tombés, de la stupéfaction. Et c'était un gif que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Oh shit, we did it again. Voilà, tout simplement. Oups, I did it again, comme disait Britney. la célèbre Britney que les gens de notre génération comprendront. Je l'ai joué en Loïc. radio à ce début, calme-toi. Ouais, ah, écoute, tu as un âge avancé, ça c'est pour ça qu'on t'aime, t'es un peu notre Perforas. Ouais. Loïc, dis-nous, comment toi t'as vécu cette décision? Est-ce que t'aurais fait un field goal? Est-ce que t'aurais tenté une passe? Ou est-ce que tu aurais joué couille molle et t'aurais punté comme notre bon Doug Peterson? Ben non, moi, peu importe si tu t'appelles field goal ou si tu joues à quatrième, tu devais prendre la décision pour gagner le match. Là, il a pris la décision pour pas le perdre. Si encore tu avais été à 2 victoires et 0 défaite, que tu te dis bon allez, je vais prendre un match nul. Mais là non, t'es à 0 victoire et à un moment donné, le match nul, on s'en fout. Mais on s'en contrefout. Moi, j'aurais préféré. Franchement, j'étais encore plus énervé que s'ils avaient perdu avant la prolongation. Mais même pendant, C'était. moi, tu Ouais, vois, même même, pendant, tu vois, genre. on loupe le field goal et scénario catastrophe, on perd derrière, j'aurais été moins énervé parce qu'au moins on aurait essayé de Vous gagner. avez raison Bon. tous les deux. Vous avez raison tous les deux. Ces scénarios-là auraient été moins pires. Parce que moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bah, c'est bon, ils croient plus en l'équipe. Pour moi, c'est révélateur d'un état d'esprit, je trouve. Et franchement, je vois pas comment tu vas te relever de ce début de saison. Là, le message envoyé, c'est bah, je vous fais pas confiance, les gars. Je préfère ne pas perdre pour pas être à 0-3 que d'essayer d'aller gagner un match. Alors que, oui, on parle des années précédentes. Tout le monde parlait de l'agressivité de Doug Pederson, l'agressivité, machin, machin, machin. Bah là, désolé. Là, il a fait caca-culotte, c'est tout. Non Et mais moi je ce vais qui vous m'énerve rejoindre. d'autant plus, c'est que même si Wentz, il a pas fait un bon match, il a fait ce que Gregory lui avait demandé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il a porté ses couilles sur le dernier drive du quatrième Bah carton. oui, c'est ça en plus Où ce qu'il fait. concrètement, il a couru, il a tout donné, même en overtime, on l'a vu rentrer dans des défenseurs pour aller chercher le first down, malheureusement, il y avait une pénalité. Ouais, il a tout donné. Ouais, on y reviendra, mais Bah, ok. il a. Il a donné plus. Il avait envie de gagner, ce qui n'était pas le cas Ouais, de Doug, voilà, apparemment. il avait En ce l'état moment, il d'esprit a. au moins. Ouais, voilà, il a, en ce moment, les mécaniques, ce que vous voulez, les prises de décision ne sont pas bonnes, mais au moins, il essaye. Doug Pederson n'a pas essayé de gagner le match. Ouais, bah moi je rejoins ce constat. Je pense que. J'ai dit la semaine dernière que Doug Peterson était une fraude. Vous m'avez dit que j'exagérais. Je pense que j'ai absolument raison. En 2017, on gagne le titre parce qu'on a un génie offensif qui est Frank Reich, qui est maintenant l'entraîneur des Colts. On a Schwartz qui fait année de sa vie en coordinateur défensif. Doug Peterson, globalement, j'ai dit son principal avantage, c'est que c'est un meneur d'hommes. C'est le mec qui mobilise son groupe pour aller gagner des matchs qu'on n'arrive pas à gagner. Mais là, maintenant, il est même plus capable de ça, en fait. Il est même plus capable de gagner des matchs. Ça fait 3 ans que j'entends, oh là là, la prise de risque de Doug, c'est quelqu'un qui prend tout le temps les risques pour gagner et tout. Elle est où la prise de risque là? Ça lui ressemble pas du tout. Elle est où la prise de risque? Joue ta passe, joue ton field goal, je m'en fous, Mais c'est j'en surtout que la fous. prise de risque, Elle est comme l'a où la expliqué. prise de risque? Excuse-moi Victor, mais comme l'a dit Grégory, la prise de risque, elle est pas si élevée que ça. Parce que le Et field. même si on perd, Mais même oui, si on on s'en perd, franchement, foutait. À la limite, c'est c'était pas. mieux pour la draft. Tu Mais perds. T'es franchement, je nul. préfère perdre en ayant essayé que de même pas essayer de gagner. Parce que, spoiler, 100% des équipes qui n'essayent pas de gagner ne gagnent pas. Il y a un moment, faut arrêter Est-ce que si on se met dans mystifier sa tête Doug. 2 secondes, Victor, est-ce que si on se dit il a joué pour pas perdre, c'est parce qu'il a pu penser par erreur, parce qu'on va y revenir, il a dit qu'il avait fait une connerie, d'accord? Est-ce que si, à cet Il l'a instant-là, dit parce qu'il avait la pression ouais, médiatique autour mais de est-ce lui. qu'il l'a dit? Mais est-ce qu'à cet instant-là, si on se met dans sa peau, d'accord, si on essaye de comprendre rationnellement ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut pas se dire il s'est dit pour la confiance de mon équipe? Pour que mon équipe reparte sur des bons rails au match suivant, ben il vaut mieux un match nul qu'une défaite
et assurer quelque chose en disant, voyez, on est en progression. Je sais pas, je pose Non, la je peux pas question. entendre ça. Je peux pas entendre que quand tes trois premiers matchs t'affrontent Washington et Cincinnati, tu peux te contenter de faire deux défaites et un match nul. Non, il y a un moment, au contraire, j'ai envie de dire soit tu tankes ta saison, c'est 0-3 et voilà, soit tu as réussi à gagner un match sur le fil et là ça peut te relancer. Mais finalement, là, la seule chose qu'il a dit, c'est Jack Elliott, j'ai pas confiance en toi. Carson Wentz, j'ai pas confiance en toi. Les playmakers, j'ai pas confiance en vous. Et du coup, je me contente de ramasser des J'ai une miettes. autre explication. C'est... J'ai une autre Vas-y. explication, je la tente vite fait. Ils jouent que la division. On est dans la division la plus faible. En tout cas, en début de saison, on ne sait jamais. Hein, peut-être qu'on se prendra tous des claques dans la tête après avoir dit ça. Une division qui peut se gagner avec un bilan négatif. Ouais, ce Peut-être qu'il qui s'est est bien, c'est dit, de prendre ça peut 4 jouer sur victoires un contre match les... nul. Ça peut jouer sur ça. Si à l'arrivée, on a égalité avec les Cowboys en défaite. En victoire et que nous on a une défaite de moins parce qu'on a un match nul et qu'on va en playoff grâce à ça, tout le monde me dira bien joué. Peut-être qu'il a pensé division. Non mais Peut-être, là, mais enfin, le fait est que déjà en division, ce qui est censé te donner 4 victoires, c'est Washington et Giants. Et rien que ça, on a déjà joué Washington, ça nous a fait une défaite. Donc en division, on est à 0-1, on a un demi-match de retard sur Dallas, mais Dallas, enfin je veux dire, faut... ok, c'est pas extraordinaire début de non saison, mais ils jouent des on est grosses bien équipes. d'accord. Mais enfin, ils ont affronté des Seahawks de Russell Wilson. Spoiler, Russell Wilson cette année, il est un peu chaud quand même. Ils ont affronté les Rams. Bon, bah, ils ont perdu, nous aussi. Et Les ah oui, Falcons. ils ont gagné Atlanta. Oui, enfin, de toute façon, tout le monde gagne Atlanta. Atlanta, on en reparlera un jour. Mais si vous avez vu Falcons Bears, C'est je me dis incroyable. que finalement, être fan des Falcons, c'est quand même pire que nous. Ouais. Non, mais de toute façon, le problème, c'est pas ça. Franchement, certains parlent de QB Purgatory. Là, on est en division Purgatory. Là, franchement, gagner la division, ce serait la pire chose possible pour moi qui puisse arriver. Parce que là, cette équipe, elle est trop faible à trop d'endroits. Ça ne sert à rien de gagner la division, tu feras rien en playoff. Et Ah l'année bah on va se prochaine, faire tu ouvrir vas. le cul en playoff, hein, Non, ça mais. c'est Et clair. l'année prochaine, tu vas encore drafter dans les 20-30. Et tu vas prendre encore. Une chance sur deux de prendre un joueur encore tout pourri qui jouera même pas en NFL tellement il est nul. Donc là, ça sert à rien. Franchement, on est nul. Nul, 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 nul. Il y Bah a si, très c'est un peu de problème de, on motifs a un problème de d'espoir. passion. On a un problème de passion devant le match. Même nous, tu vois? Ouais. Ah non, mais moi c'est ce que je disais à Grégory hors antenne avant de commencer. Je pense que j'ai pas pris aussi peu de plaisir à regarder les Eagles depuis 2012, depuis la saison terrible de Andy Reid en 4-12 où vraiment fallait que ça s'arrête quoi. Sincèrement, La deuxième partie de là, saison de la dernière année de Chip, non mais elle est d'accord, mais dégueulasse. d'accord, mais il n'empêche que là franchement, j'ai plus envie de regarder des Chiefs Ravens, j'ai plus envie de regarder mais n'importe quoi, même j'ai regardé Seahawks Cowboys ou la NCAA, tout ça me donne plus envie que les Eagles aujourd'hui parce que t'essayes même pas de gagner, y a rien d'enthousiasmant offensivement, défensivement, c'est mou, Mais c'est ça donne plus envie. y a pas de big play, il n'y a pas de playmaker ou très peu. T'as Miles Sanders et après c'est le néant absolu, que ce soit en attaque ou en défense. Zéro turnover en défense en 3 matchs. Et Ah le mais... seul qui a été plus ou moins en position, c'est enfin le seul qui est bon, pardon, et comme les QB adverses ne le visent pas, bah il peut pas trop faire d'interception, c'est Darius Slay. Mais le reste c'est tout pété, hein. C'est incroyable. Non, c'est sûr, mais Ouais, moi, bon. symboliquement, j'ai jamais eu un big board aussi avancé cette année pour la draft, hein. Je crois que j'ai 307 joueurs là pour 2021. Je suis à fond, là. Les Eagles m'ont mis à fond pour la draft, hein. Ouais, mais de toute façon, peu Alors... importe, vu qu'il va choisir à la draft, on va encore prendre un joueur tout pété, donc. Calmons-nous, calmons-nous. Mais Ouais, bon, donc ouais. si on revient sur ce match, Restons sur les Panthers. les déceptions, Grégory. Alors, il y a Vance, ça c'est un peu le forcément, c'est le quarterback, c'est le joueur le plus exposé, donc c'est ce qui se voit le plus. Il y en a d'autres, notamment une légende des Eagles, et ça va faire mal de descendre. Parce que c'est un futur Hall of Famer, parce que c'est un joueur qui nous a porté pendant une décennie, mais il faut qu'on parle de Jason Peters quand même. Ouais. Alors, je voudrais juste dire un mot sur Wentz parce que je me suis amusé à regarder ce que pouvaient penser certains fans américains de Wentz et tout ça. Il y a un mec qui a tweeté In 4 seasons, bon, je vais la traduire, en 4 saisons, Carson Wentz
a 0 victoire en playoff, 48 fumbles en saison, 7-20 contre des équipes à plus de 50% de victoire. Non, ces stats sont fausses. Alors, C'est un tr- c'est justement, un, c'est un troll qui est-ce que le gars qui copie-colle. t'explique Non, derrière? non, par contre, les fumbles, c'est vrai, et c'est le plus haut total en NFL. Oui, Alors, les fumbles, moi je te parle du moi record j'avais des un doute équipes sur à le plus de record pour ces 500. équipes positives. Et j'allais vous dire, j'ai pas eu le temps de fouiller. J'ai trouvé ça tout à l'heure, donc vous allez pouvoir le lire. Donc c'est très bien qu'on soit dedans et que vous Ouais, démontiez. mais c'est pas loin. C'est vrai qu'il a un bilan qui est pas extraordinaire contre les plus de 500. C'est Mais pas Dak Prescott, il y mais a un c'est pas truc où extraordinaire. on peut s'amuser à le défoncer parce que ça, bon, effectivement, la première interception, c'est bien défendu. On peut aussi donner un peu de crédit aux défenses adverses et là, au deflected des Bengals, même s'il y a la possibilité de faire mieux. Il y a deux choses sur Wentz, très vite. Deux choses, pas qu'une. Un, il y a cette passe, on l'a déjà dit, je sais pas si on l'a dit à l'antenne, mais on l'a dit à l'antenne tout à l'heure, donc autant le Non, on mettre à l'a pas encore l'antenne. dit à l'antenne, mais Il y a cette vas-y. passe qui doit être parfaite pour Sanders, mais et c'est plus dingue. C'est-à-dire qu'il y a 20-16 à ce moment-là, il n'y a même pas besoin que la passe soit parfaite. Il y a besoin qu'elle soit pas trop longue, parce que bah, Sanders a de l'avance sur son défenseur. Donc une Il a passe 3 mètres derrière, il n'y a d'avance. plus rien. Il y a ouais, quoi, 4 mètres d'avance, 3 mètres 50. Donc tu as vraiment Ouais, besoin de et il donner y a une zone. touchdown, hein. Ouais, Personne la rattrape personne, c'est Sanders. touchdown. Ça, c'est le négatif, c'est terrible, c'est ces saucisses-là. Et il le lance, il l'overthrow de 5 mètres, au moins. Ouais, oui, il y a 10 mètres de oui, c'est Facile. ça. Il est à 10 mètres du défenseur, 5 mètres de Sanders, oui, c'est ça. Ouais. Et après, il y a quand même ce côté positif, parce que je suis le gars optimiste de la bande. J'avais dit porter ses couilles, c'est pas très élégant, Loïc l'a gentiment rappelé. Merci Loïc, hein, de me mettre dans la sauce. Mais Mais avec plaisir. c'est vrai que sur le dernier drive, c'est quand même le signe que le mec est pas encore totalement mort, qu'il a encore un bout d'étincelle. Il va courir, il y va, il fait don de son corps, voilà. Après, pardon. Moi, je vais être très dur sur ça. T'as pas le droit, quand tu fais cette passe pour Hertz en prolongation, que ce soit lui, la coordination offensive, le coaching staff, les running, les receveurs, la ligne, qui tu veux, t'as pas le droit de pas gratter en 1 minute 20, 5, 6 yards sans prendre de pénalité. Voilà. Et ça, pour moi, c'est pire que le match de Peters que je vais vous laisser. Cette situation en prolongation où tu as 5 à 7 yards à gagner pour sauver ce qui est sauvable et que tu ne le fais pas alors qu'en face, ils ne sont pas bons, c'est inadmissible. Non mais d'ailleurs pour revenir sur la fin de la prolongation, Doug Pederson a été très conservateur dans son play call. Hein. C'est en mode le but c'était de tenter un field goal de 55 yards quoi qu'il arrive ou de 50 C'est yards. ça, Et là c'est ça. et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu les Ah, il a pénalités même et pas bah ouais. tenté de first down, hein. Il a tenté juste de gagner 2 yards à chaque action. Les autres pour défendre c'était tranquille, hein. Ils avaient juste à suivre Sanders ou Scott et on n'en parlait même plus, hein. Non mais même Non mais c'est clair. Scott, on l'a pas vu, hein. Non, mais d'ailleurs il a reculé, il me semble, dans la prolongation. Non mais moi pour le coup j'ai envie de dire que ce qui m'a le plus choqué c'est la deuxième interception. Parce que Vent il lance pas beaucoup d'interceptions historiquement. C'était même je crois le quatrième de l'histoire en ratio du nombre d'interceptions par passe avant le début de cette saison. Maintenant il est neuvième ou dixième. L'année dernière il lance sa quatrième interception au dixième match, etc. Là il est à six interceptions en trois matchs. Et la deuxième interception dans ce match-là. Il n'y a aucun scénario où le receveur peut attraper. C'est même pas un 50-50. C'est même pas une erreur de tracé, parce que ça peut arriver, le receveur et le quarterback qui se parlent mal. Là, il lance juste mal la balle, à l'endroit où le cornerback peut la prendre, mais pas le receveur. Ça, c'est formidable. C'est vraiment. Alors là, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Si tu veux te. C'est vraiment. C'est une saucisse. Dans la définition de la saucisse, elle est parfaite, celle-là. C'est vraiment. Tu donnes un cadeau à l'adversaire. Et je rappelle juste, et après, je laisse Loïc parler, que on est à moins 7 en turnover. Quand on provoque pas de turnover et qu'on en commet, on perd des matchs. Bah là, moins 7 en 3 matchs. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est le genre de statistiques qu'on retrouve dans les équipes qui finissent top 10 de la draft. Loïc. Non, bah après, Peters, Vance. non, mais Wentz, c'est bon, on va pas répéter chaque chose chaque semaine, il a la tête à l'envers. Maintenant, c'est au coach de lui remettre la tête à l'endroit. S'ils sont pas capables de le faire, bah ciao à la fin de la saison. Hein. On va pas y passer 150 ans. Malheureusement, il prend des décisions et il lance des ballons bah, comme un des 5 plus mauvais quarterbacks de la ligue actuellement. Voilà. Il est 29e, on a regardé avec Victor tout à l'heure.
Ouais, bah malheureusement c'est comme ça. Après moi, je préfère parler de Jason Peters par exemple, qui a été encore une fois très mauvais. Et C'est je reste chaud. gentil avec très mauvais Il a parce été que... catastrophique. Non, mais il a été cataclysmique. Moi, j'avais juste envie. Tu sais, c'est l'animal, le vieil animal qui a été ton compagnon pendant 15 ans, que tu aimes d'amour et tu le vois souffrir. Là, et t'as juste envie de dire, mais abréger ses souffrances, quoi. Ouais, Enfin, et vraiment. Howie Roseman a eu la bonne idée de lui donner une augmentation juste avant le début de la saison. Encore une très bonne décision Ouais, de mais sa est-ce qu'il part, il avait les vraiment le accumule. choix? Est-ce qu'il. Bah, Est-ce qu'il avait vraiment le il choix? avait la décision de lui dire, bah écoute, tu veux pas jouer à gauche, bah ciao. À un moment donné. Et Doug Peterson a dit que globalement, il avait fait un bon match. Ouais, il l'a défendu. Il a dit, ok, il y a eu deux, trois petits moments compliqués, mais dans l'ensemble, il n'est pas trop attaquable, c'est ouf. Je Bon, sais après, pas c'est vrai si. qu'une légende comme ça, tu l'attaques pas en conférence Bah, un de coach, il est presse, je là pour comprends préserver ses aussi. joueurs, hein, normalement. Hein. Oui. Normalement, là, les coachs, ils ont les couilles. Enfin, ils le mettent sur le banc, quoi. Et à un moment donné, il faut Ah arrêter les bah oui, là conneries. tu mets Driscoll. C'est même pas le mettre sur le banc, d'ailleurs. C'est moche à dire, mais il faut le couper. Hein. Et à un moment donné, il Non, faut tu coupes arrêter pas une les âneries. légende Hein. comme ça. Non, non, Bah, non. c'est compliqué, Non, mais mais c'est pas grave. c'est un boulet. Ouais, mais non, Tu le c'est laisses devenu un dans le boulet. roster, Non, de toute laisse-le dans façon. le roster, Loïc. Tu peux. Non, mais un poil de respect. Un poil de respect pour Mais Peter. par contre, du coup, Loïc, je vais te lancer sur quelque chose. C'est, tu disais, donc, couper Peters, donc par exemple, mettre un Driscoll ou un jeune à sa place. Il y a une réflexion qu'on a eue tous les deux cette semaine, c'est. Il y a un moment, que ça soit offensivement ou défensivement, mais Jim Schwartz, on le sait depuis des années, mais là, les Eagles ne font pas jouer les rookies. Et il y a un moment, quitte à ce que ça soit une saison de merde, quitte à ce qu'on enchaîne les défaites, place aux jeunes, non? Non Donnons la mais chance aux jeunes. déjà place aux jeunes et surtout on en revient à la dernière draft où je vous le rappelle les Eagles ont pris un quarterback au deuxième tour qui est là pour être sur le banc pendant au moins 2 ans et ils ont pris un linebacker qui est pas du tout prêt à jouer. Pendant ce temps-là, on voit à travers la ligue des deuxième ou troisième tours de draft qui sont déjà titulaires, qui font déjà des actions décisives. Et donc voilà, t'as pas de jeunes qui jouent, t'as pas de jeunes qui impactent Bon, il est et pété, ouais, il Réagor. réaccorde, ok, mais un seul, c'est pas suffisant. C'est pas quand tu fais un seul toutes les deux drafts que tu vas réussir à avoir un bon roster. Les Eagles n'ont pas su faire le turnover nécessaire depuis 2017. Non mais attends, il y a un moment, Loïc, je veux bien qu'on vive dans le passé et dire des drafts sont loupés, oui, les drafts sont loupés, mais tu peux même pas dire que la draft de cette année est un échec. Les Ah, mecs, on les mais. fait pas jouer. Bradley, le sixième tour, on dit qu'il a fait un excellent camp, donc vas-y. Mais sur le terrain, qui prouve quelque chose, on lui fait pas jouer un snap. Kavon Wallace, le mec était titulaire à Clemson, une des plus grandes universités du pays, quatrième tour. Safety, on n'a personne en safety. McLeod, il fait sa saison, derrière Mills, c'est quoi? Mills ou rien, c'est la même chose. Donc il y a un moment, tu peux pas dire que cette draft est un échec, puisqu'on ne laisse même pas sa chance au produit. Il y a un moment, Mais fais ça, jouer tu un Kavon savais. Wallace. Ça va changer. Il va être Mais non, ça obligé. Bah, Jim changera Schwartz, il a pas. jamais Jim fait jouer les Schwartz, il jeunes, il préfère a jouer jamais. ses vétérans tout pourris, là. Il veut pas de rookies. Il les aime pas, les rookies, parce qu'ils sont pas prêts à jouer, selon lui. Donc il veut que des vétérans, mais des vétérans qui font rien. Qui sont Mais nuls. oui, mais il y a un moment. Franchement, Kavon Wallace, il peut pas être pire que Jalen Mills. Ah, Oui, Jalen c'est Mintz, compliqué, hein. il a été catastrophique. Le seul moment où il a été bon, c'est quand il blitzait. Ça veut C'est bien dire vrai. quelque chose. Quand tu fais blitzer un gars qui est censé couvrir et tacler, c'est qu'il y a une Eh raison. mais Darius Slay qui est parti de Détroit parce qu'il en avait marre de perdre, il doit être bien content. Non, mais la bonne Bah, nouvelle sur Darius Slay, c'est qu'il s'est pas pété. Parce qu'on a cru à un moment qu'il y avait le coude qui était parti. ouais. Et je peux vous dire que là, ça Non, mais m'aurait vraiment c'est notre pourri la seul bon soirée, joueur, hein. hein. Franchement, en défense, à part lui et les defensive ends sur ce match, Ouais. mais sinon, il n'y a rien, quoi. C'est Non, après la après, défense, elle a fait un peu le les. boulot quand même. Parce que c'est là où j'en veux un peu à l'attaque, c'est qu'elle a fait quand même un peu le boulot. C'est-à-dire que les mecs sont pas bons. Moi, je suis d'accord. Ils ont fait le Je boulot, suis ils ont d'accord. réussi à pas exploser quand tu aurais pu te prendre deux possessions ou trois possessions d'écart. Si on a le dernier drive et le touchdown de Wentz, c'est aussi parce que la défense a été solide. Ils ont bien. Le Ah problème, c'est que c'était bah un match quand. où les deux défenses ont bloqué les wide receivers. C'est-à-dire que tous les receveurs étaient nuls de chaque côté. Non. Non Non, mais je quand suis tu pas prends d'accord. que Tyler Boyd, il 23 a points fait face 100 aux yards. Bengals, t'es censé gagner. Non mais quand tu Une prends que exception, Loïc. 23 yards, Ok. enfin 20, 23 points pardon contre les Bengals, je veux dire t'es censé gagner le match. Mais t'es même pas censé. Moi, je suis désolé, mais la ligne défensive, ils ont été plutôt bons. Mais il y a des moments, Joe Burrow, il faisait ce qu'il voulait, quoi. Quand Ah bah t'avais oui. comment il s'appelle, Gary qui couvrait des receveurs, mais la blague.
lui aussi est tellement à la ramasse. Dès que tu le vises, tu fais un first down, quoi. Mais ça a jamais été son rôle non plus. Mais de toute façon, le Enfin, problème, je veux dire, il y a... Guerry, ça n'a pas été son rôle. On n'a aucun linebacker capable de Non, mais peu courir. importe. Le problème, c'est que de toute façon, Jim Ah Schwartz, si, bah, peu importe. il a ses chouchous. Qu'il soit nul ou bon, il est fera jouer quoi qu'il arrive. Ça concerne Guerry, ça concerne Jalen Mills, ça concerne Derek Barnett. Peu importe leur niveau, de toute façon, ils joueront. Il a ses chouchous. Mais Oui, il Guerry, le il est pas verra. nul, il est juste pas Il va utilisé. le Pas payer. utilisé comme il le Quand il faut. sautera, ça sera le premier à sauter. Ouais, c'est Ouais, possible. bah, Hein. là, en tout cas, il faut qu'il y ait un électrochoc, mais d'où peut venir cet électrochoc? Qu'est-ce qui peut changer les choses? Franchement, moi, je ne vois pas. Là où c'est inquiétant, c'est que ça manquait de passion, en fait. Et c'est pas que des solutions, parce que des solutions, je trouve qu'ils ont essayé d'en, ils ont Exactement. essayé d'en, ils ont essayé d'en trouver, en fait. C'est ça que moi qui me m'inquiète un peu, c'est qu'ils ont essayé de varier les jeux. Ils ont montré quand même assez de courage, finalement, à l'image du touchdown de Wentz. Ils ont essayé de jouer, de s'arracher. Le problème, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a un mauvais niveau. Je parlais des receveurs tout à l'heure. Alors, t'as raison, Loïc, en face, il y en a un qui en a fait 100, mais nos receveurs, pour gagner un duel, mais je sais pas, vous avez regardé le match comme moi, mais comme c'est compliqué pour un receveur des Eagles de gagner un combat, un seul, c'est la croix à la bannière. D'ailleurs, bon, on a bien fait de ne pas parier sur le nombre de réceptions, voire même de cibles de notre bon Arcega Whiteside, parce que je ne sais pas si vous avez des nouvelles, vous, parce que moi, il m'a pas envoyé de texto. Non mais je t'avais demandé avant le match combien il ferait de catch, tu m'as dit 1, il aurait fait 0 comme d'hab. Voilà, Zéro je me suis target. dit, même sur Non 1, il mais n'a pas zéro réussi à le faire target. gagner. Non mais on n'a plus de receveur, on n'a plus de tight end, on n'a plus rien, parce que Dallas Goedert est en injury report, hein, puisque tout va bien. Ouais, mais alors attends, pardon, excuse-moi, je te coupe, pardon, j'ai Non pris la mais parole beaucoup, mais vas-y, vas-y, vas-y. Goddard, tout ce que je lis sur oh là 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 là, si on est inquiet parce qu'on a perdu notre deuxième tight end alors qu'on a encore Zach Ertz. Alors qu'on va jouer les 49ers qui ont une équipe décimée de A à Z, dont leur QB titulaire, c'est que vraiment on est au fin fond de la poubelle. Hein. Bah, notre deuxième tight end, c'est notre deuxième meilleur receveur. Ouais, mais sauf Bah que ouais. ça doit pas Non mais être une c'est ça qui est excuse. terrible. Non, mais Oui. on en revient toujours au même truc. Ils n'ont pas fait assez durant l'intersaison sur le poste de receveur. Ils ont parié que sur des rookies. Bah, les rookies, ça prend du temps à se développer. Et en attendant, bah, retour à la case 2019 avec un corps de receveur tout pourri. Ouais. Parce Bah, que c'est ça. tout Je pourri. pense que là, Franchement. globalement, moi je rejoins Grégory. Le vrai problème là, c'est mental. C'est que les mecs, même s'ils ont ils ont du talent, on n'est pas la pire équipe de la ligue niveau talent, mais ils ont plus envie. On a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être sur le terrain. Mais là, on en revient Ils n'ont pas au. envie d'être là, ils n'ont pas envie de gagner ensemble. Donc là, le problème, il vient du coaching, il vient du general manager, il vient du propriétaire, il vient de tous ceux qui dirigent cette équipe. Non, mais on en revient à ce qu'on craignait avant le début de la saison, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Et là, pour le moment, tous les signes qu'on a depuis le début de saison, c'est la fin d'un cycle. Donc la saison est encore longue, on verra bien, hein, ça peut tourner. Ça aurait Ce qui pu est tourner emmerdant, s'il avait gagné ce match sur un field goal de 60 yards. Ça aurait pu être un c'est déclencheur, que un. en jouant à Washington et Cincinnati, Loïc, tu dois être au moins à 2-1, 17-0 contre Washington. Cincinnati, certes, sans public, mais à domicile, alors que tu as des balles, tu as des balles de match, oui, c'est Roland-Garros, donc 10 balles de match, avec ces dernières actions en playoff. Enfin, l'an dernier, c'est des rencontres qu'on gagnait. Il y a 2 ans, c'est des rencontres qu'on gagnait, même à l'arrache. Ouais, mais Là, tu dois tu ne être à gagnes plus, 2-1, mais là. t'es à 0-2-1. Ouais, Tu dois être à 2-1, mais t'es et à bientôt 0-2. on sera à Voilà. 0-5-1 parce que le calendrier qui arrive, aïe aïe aïe. Il n'y a que les 49ers qui sont prenables parce qu'ils sont Ouais, encore plus les décimés que 49ers sont nous. prenables, ils viennent d'en mettre 40 avec l'équipe Z donc. Moi j'aime bien Ah les oui, équipes bah prenables qui qu'ils ont gagnent quoi. un. Ben, ils ont un vrai coach offensif, déjà. C'est sûr que quand tu as un vrai coach, c'est plus facile la vie. Mais non, globalement, je pense qu'on a fait le tour. On va pas revenir en boucle parce que les coupables. Ce qui est terrible, c'est que les coupables, c'est les mêmes que la semaine dernière. C'est les coachs, c'est Vance, c'est l'état d'esprit, c'est les mêmes que la semaine dernière, en fait, les coupables. Donc on tourne en rond et on va continuer à tourner en rond. C'est ça qui est terrible. Moi, les quelques points positifs que j'ai vus, c'est sur le dernier drive du quatrième quart-temps, c'est Hightower qui provoque deux pénalités et fait un catch.
C'est vrai. Donc il obtient, je crois, 3 first down sur ce drive. Ouais, Voilà. c'est ça, il fait Alors, deux défensive ouais, mais passes, alors, interférence et un pardon. catch. C'est drôle parce que c'est Loïc qui est Vas-y. l'optimiste et moi qui vais être le pessimiste sur la même, sur le même moment de match. Il obtient deux pénalités et il y a un catch. Le catch, on ne lui enlève pas. Les pénalités, bon, il y en a une des deux que je vois moins nette que l'autre. Et je me dis qu'heureusement qu'on a ces pénalités pour avancer, hein. Parce que je vous assure que si on n'a pas les pénalités, alors tu me dis, elles font partie du jeu, c'est tout ce que tu veux, et oui, bah, y a des flags, il y a des flags. Enfin, c'est pas des jeux extrêmement brillants, et si jamais ils ne le touchaient pas, c'était pas non plus garanti qu'ils récupèrent les ballons. Bah ouais, mais Moi, je vais c'est... vous dire, si, s'il faut voir du positif dans ce match, j'en ai un seul. C'est Nate Herbig, qui Ouais. a pas fait un match extraordinaire. Il aura des up and down, hein, parce qu'il est jeune. Mais on a peut-être trouvé en non drafté un guard titulaire pour les années à venir. C'est important, ouais, parce que si Kelce prend sa retraite à la fin de la saison, ce Malo va passer au centre, donc il aura besoin d'un Non, garde mais gauche. voilà, avoir un undrafted qui a un guard de niveau titulaire en NFL, enfin, après, ça demande confirmation, mais j'aime bien ce que je vois de Herbig, et c'est presque une des seules choses, c'est un des seuls mecs qui se bat, c'est un des seuls mecs qui a envie d'être là, parce que lui, il se bat pour un contrat, hein. Il sait pas, ça fait pas partie de toutes ces divas à 15 millions qui en ont plus rien à foutre, lui, il a un contrat à aller chercher, et ça se voit, en fait, il a envie. Alors que Peters, s'il n'a pas envie, Ouais. Kelce, je me demande, Vance, il a la tête à envers, je veux dire, globalement, et J.J. Arcega-Whiteside, il a beau gagner que un contrat rookie, lui, il n'a pas envie non plus, mais lui, ça a l'air d'être pathologique, on va pas revenir dessus, mais globalement, moi, à part Herbig, Si, moi j'ai rien de j'ai toujours positif. Josh Sweat. Oui, Sweat était Ouais, bon. Et d'accord, moi j'ai David ouais. Akers. David Bon, Akers? Jake Elliott, évidemment. Ah. C'est la passion de l'ancien qui parle. Non, Jake Elliott, parce qu'il est quand même fiable. Il y en a un à 27, ça, je dis pas de bêtises. Et puis il y en a un autre au-delà de 50. Le truc est plein centre. Bon, c'est pour ça que je le place pour faire du mal à Pederson, quoi. Parce qu'il aurait fallu le Et frapper. tu sais, Grégory, un grand sage m'a dit il y a quelque temps, si ton point positif, c'est l'équipe spéciale, c'est que t'as un Et problème. justement, t'es tombé dans le piège parce que je t'avais mis des petits feuillages avec des petites branches et tes équipes spéciales. Je sais bien que tu vas me dire, oh, je veux pas accuser Pryor, moi je veux pas accuser l'équipe sur le field goal pour la pénalité. Bah excuse-moi, mon Louis, mais cette équipe, je veux bien qu'on la défende et qu'on dise, ah c'est pas que lui, ils avaient qu'à faire le boulot avant. Mais quand t'es en équipe spéciale sur un field goal qui te fait gagner le match, eh ben tu fais pas de false start et tu te démerdes pour pas bouger et tu laisses ton kicker kicker. Voilà. Je suis Ouais, désolé, mais t'es non, moi je suis professionnel. pas d'accord. Non, Non, mais je sais que vous je n'êtes suis pas d'accord, mais d'accord. moi je vous le Je suis dis, d'accord que t'as c'est pas une le grosse droit. erreur, mais je trouve juste que tomber sur Pryor en disant tout est de sa faute, alors que ça reste quand même un field goal de 59 yards, hein, et tomber sur Pryor en disant que tout est de sa faute, alors que juste avant, il y a des lanes qui font des holdings, il y a des erreurs individuelles de partout, c'est juste trop facile de dire tout est de la J'ai faute de Pryor. Ce absolument que pas dit tu n'as pas ça, hein. dit, ce que tu n'as pas dit, hein, mais ce qu'on a vu beaucoup sur les J'ai réseaux. pas dit ça parce que justement on a Non, parlé non, pendant je 35 sais, je minutes des sais. responsables. Je dis juste que parmi les responsables, on n'a pas à l'exempter parce que, ah oui, mais il avait qu'à faire le boulot avant. Non, t'as qu'à pas faire cette connerie quand même. Bah, il a fait une connerie comme la quasi-totalité, quoi. Mais c'est juste que comme c'est sur la dernière action, tout le monde retient que ça. Mais du coup, Pryor n'a pas fait un match dégueulasse non plus avant ça. Et c'est pareil, Herbig, il a fait un bon match, mais il fait un holding alors que Wentz avait Ouais. chopé un first down qui allait donner un field goal. Donc Ouais, mais voilà. Vance se chope pas s'il fait pas le Ouais, il serait pas holding, quoi. passé, C'est hein. toujours pareil. Il serait pas passé, là. Je pense qu'il passe Là, on l'a pas. bien revu. Je l'ai regardé 3 fois, il passe Mais. pas. Et même pour finir, Lane Johnson, par exemple, qu'on a dit il avait été extraordinaire contre les Rams, il a souffert, hein, contre Ouais, en Dunlap. face, il y avait Dunlap quand même. C'était costaud. Oui, non, mais Dunlap, c'est pas un. Alors lui, pour le coup, c'est pas un no-name. Mais il a souffert, quoi. Oui, il a souffert, Et mais ça peut arriver. qu'est-ce que. Je sais qu'on parlera rarement des adversaires, mais. Comme c'est ma deuxième équipe de cœur, bon, des années-lumière des Eagles, des Bengals, hein, Oui, mais tu l'avais raconté, Team tu l'avais Boomer is raconté, toi. Yazon, tout ça, ce que vous voulez. Bon. Expliquez-moi, Joe Burrow, là, je tombais amoureux de lui au fil du match. Ok, on n'est pas bon en défense, ok, on offre des boulevards, mais il est précis quand même, ce garçon, il voit des trucs, ça tombe où il faut, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il vient d'une attaque complètement explosive LSU, où c'était big play sur big play sur big play, etc. Et là, il a l'intelligence
de faire ce que Baker Mayfield n'a pas fait, c'est de se dire, ok, j'ai pas de ligne, j'ai des receveurs limités, donc je vais pas jouer au héros. Je vais juste tenter d'exploiter au maximum ce que j'ai autour de moi, et je vais essayer d'avancer le ballon et de gagner des matchs. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, on part d'un mec qui faisait 25 yards par passe à LSU, là il fait 8 yards par passe, c'est honteux et tout. Le mec, il a pas de ligne. Une passe sur deux est sous pression, il fait le maximum, et franchement, c'est pas mal. Tout ça pour dire que donc un garçon C'est qui n'a vraiment pas de bien. ligne, qui n'a pas de receveur et qui n'a pas d'équipe offensive a fait match nul chez nous. Donc on est nul. Oh, Bah, par contre, je suis pas il trop a d'accord avec compris. l'histoire de pas de receveur. Faut arrêter. Il a Ah AJ oui, c'est Green. vrai. Ok, AJ Ouais. Green, il revient de blessure, mais il a Tyler Boyd qui est un ancien deuxième tour de draft et Tyler il a. Boyd, il fait un bon match par an. Non mais arrête. Il a aussi T. Higgins qui a été drafté au deuxième Et T. tour. Non mais Higgins, t'es c'est. faut Ils sont gros, arrêter. cette équipe-là, c'est pas possible. Non mais ils ont T. Higgins, investi. c'est Faut un red arrêter. zone player, Non, mais il ils n'est ont investi, pas mais ça paye pas des folies. extraordinaire. C'est pas. Je veux dire, si tu Bah. dois choisir une escouade de receveurs, tu prends pas les Bengals, pardon. C'est Ah pas bah, top 20 dans la ligue. C'est pas top 20 dans la ligue. si tu me C'est pas demandes de top 20 choisir dans la entre ligue. les receveurs des Eagles ou les receveurs des Bengals, Mais bien sûr, excuse-moi, on est bah, faut... Mais dernier. c'est pour te On est dire. C'est dernier. pour te dire qu'on est On a le nul. pire effectif. Tout On a ça le pour pire dire qu'on est effectif. nul. Mais T. l'escouade Higgins, des receveurs des Bengals, c'est pas top 20. T. Higgins, sur un match, il a marqué plus de touchdowns que les receveurs des Eagles depuis le début de la saison, quand même. Ah si, j'ai trouvé un point positif. Premier touchdown d'un receveur des Eagles cette année. Ouais, c'est vrai. Un mec de 34 ans qui va virer dans 6 mois. Attends, il y a Alshon qui va Formidable. revenir. Non, mais Ouais, globalement, moi, il y a quoi à sauver dans cette escouade de receveurs? Il y a Ray Agor, il y a Hightower, c'est tout. Et Arcega Whiteside, putain, et il y a dégagez là, Greg j'en peux Ward qui plus. peut rendre des services aussi. Hein. Mais Oui, tu vois, non, il Gregoire, a, Greg Ward, t'as il en raison, a t'as pris. Hein. raison. Il en a quand même capté quelques-unes. J'ai oublié Gregoire, t'as raison. Mais J.J. Arcega-Whiteside, j'arrive au moment McCollins de l'année dernière où Nelson Agholor, c'est le moment où t'as juste envie qu'il parte, quoi. Ouais, et puis l'expérience de Sean Jackson aussi, ça Et vire tu à vois, la c'est là que loose tu te dis, totale, quoi. c'est là que tu te dis sur les propos. Bon, on va pas revenir, vous avez fait tout un podcast dessus. Les propos lamentables et en tout cas qui prouvent un manque d'intelligence et de culture de, hein, on va être comme ça, de Deshaun Jackson. Finalement, bah, c'est vrai que s'il était parti. Bon, c'est horrible à dire hein, après 3 matchs, un mec qu'on pensait explosif, capable de faire des tracés de 60 yards, mais on en est là quand même. Hein. On en est là. Hein. Ouais. Bon, eh ben, on en est là. Je vais marquer une petite pause là, pour nous laisser respirer et on va parler du prochain adversaire. On a commencé à un peu en parler. Ce sont les 49ers de San Francisco. Welcome to San Francisco. Ça va être compliqué parce qu'on affronte une équipe un peu insondable. On a commencé à dire il y a une avalanche de blessés. Je veux dire, franchement, à part chez nous et un peu les Broncos en ce moment, c'est du Les jamais Jets. vu. Tevin Coleman, Dee Ford, oui, mais Jets ils sont nuls de base donc ils perdent rien. Tevin Coleman, Dee Ford, Jimmy Garoppolo, George Kittle, Raheem Mostert, je dois en oublier Nick plein. Enfin. Bossa. Nick Ouais, Nick Bosa pour la Bossa, ça, saison. c'est chaud. Hein. Ouais. Non, mais c'est Solomon Thomas aussi pour la saison. C'est Richard Sherman, je sais même pas s'il est revenu, je crois Dibo pas. Samuel. Hein. Deebo Samuel, limité. C'est incroyable. Cette équipe, et on l'a dit, cette équipe, ce qui est assez formidable, et il faut leur rendre hommage, hein, c'est. Alors oui, c'était que. Des Giants en face, mais enfin nous, quand on a eu que Washington en face, on a réussi à perdre. Et ils gagnent 36-9 avec Nick Mullens et compagnie, quoi. C'est quand même assez incroyable. Et ça montre que eux, ils ont du mental au moins. Mais comme tu le disais, Qu'est-ce qu'on ils en sont bien pense? coachés. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, ils sont bien coachés, ils ont. Et j'ai envie de dire franchement. Même avec tous ces blessés, quand tu vois la ligne offensive, quand tu vois ce qui reste de la défense et tout, c'est supérieur à ce qu'on a. Oh, mais alors, C'est supérieur à ce qu'on a. déjà, je voudrais dire bon courage à tous ceux qui vont se lever au milieu de la nuit pour regarder le match en direct, hein, puisqu'on le rappelle, le prochain match est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h25. Bah, il y aura moi parce que Donc, derrière j'enchaîne le morning. Donc j'y serai. Bah, il y aura moi parce que sauf si j'arrive à le refiler, à mon avis, ta Geractus sera pour ma pomme. Moi je vais essayer de me lever aussi, mais franchement, si j'arrive pas à me lever, ce sera pas un drame parce que je pense qu'on va se faire défoncer.
Franchement, je travaillerais pas pour Touchdown Actu. Je pensais pas que ça m'arriverait, hein, mais pour la première fois depuis des années, je pense que j'aurais pas Touchdown Actu. Je me réveille pas, en Moi, je ferai fait. la seconde mi-temps, je vous le dis, en fait, pour être honnête. Franchement, je sais même pas si je me lève, Et quoi. encore, tu fais la deuxième mi-temps suivant le score que tu vois en allumant le Mais match. tu te lèves pourquoi? Pour voir une équipe qui a pas envie de gagner, qui a pas envie d'attaquer, qui a pas envie de faire de créer du jeu? Bah non. Mais c'est surtout que t'as même pas, comme on en a déjà parlé, mais t'as pas des big plays, tu vois, t'as pas des moments excitants où tu vas te dire waouh, incroyable, boum, un drive de 3 actions pour un touchdown de 80 yards. On n'a pas ça, nous. Parce que là, avec tous les blessés, ça va être la même attaque qu'en fin de l'année dernière, il n'y a rien Ouais, enfin, attends, d'excitant. attends, attends, tous les blessés, même quand il n'y avait pas de blessés, enfin, il y a un moment, tous les blessés, y a un... non, tu es censé pouvoir faire des big plays quand tu as Deshaun Jackson, quand tu as Il est Jalen cramé, hein. Reagor, mais quand tu as Hightower et tout, tu es au moins tente, quoi, on tente rien, Mais là, on tente rien. y a aucune créativité offensive aussi, c'est ça le Y a problème. rien. Y a Sanders qui essaye de faire quelque chose, le pauvre, tout seul. Il est tout seul, hein. Lui est vraiment. Mais pour le coup, tu vois, on n'a pas dit dans les points positifs, mais il a fait son match, quoi. Oui, bien Tu vois, sûr. il a fait son Mais match. il peut, lui, par contre, il peut profiter des absences sur la ligne des 49ers. Parce que c'est vrai que quand même, avoir du Bosa et du Thomas en moins, ça affaiblit la ligne. Je dis pas qu'ils ont rien, mais ça affaiblit la ligne. Donc, Bah, il peut essayer d'en profiter. encore, mais il en a profité puisque là il a fait deux matchs et les deux matchs il a fait quasiment 100 yards à la course. Le problème c'est qu'il n'est pas assez utilisé. Faut l'utiliser encore plus. C'est la seule Alors chose ça, qui marche. oui, c'est assez incroyable. Il a été très bon sur les deux premiers drives face aux Bengals et pendant quasiment un quart temps, il a été oublié derrière. Soi-disant il avait beaucoup de fatigue. Bon. Mais le problème aussi c'est on n'en a pas parlé, mais Clement et Scott. Tu sens pas de l'explosivité, tu sens pas un changement de rythme quand ils sont sur le terrain avec le ballon en main. Et ça, il faut que ça change. Parce que de toute façon, ça passera par le jeu au sol si on veut espérer quelque chose. C'est pas nos receveurs qui vont faire gagner le match. Non, ça c'est sûr. Ouais, mais bon. Grégory, toi tu le ressens comment ce match? Très sincèrement, j'ai plus aucune. Je ne sais plus, en fait. Je peux pas te dire. Je ne sais plus. Voilà, j'étais très confiant contre les Bengals. J'ai même dit, ah, on va gagner plus 17. Bon, voilà. Ah, c'était bien senti, ça, hein, bien vu lu. J'étais persuadé que contre les Rams, avec l'historique contre eux, on allait se ressaisir et que Washington était un accident. Quand il y avait 17-0 contre Washington, j'étais persuadé que bah, le match était plié. Puis bon, bah, voilà. Donc, comment tu veux que je te fasse le moindre pronostic pour les 49ers qui sont en plus avec l'équipe C-? Donc. Bah, ça va être une défaite si on se bouge pas. Voilà, et je vais faire simple. Si on se bouge pas, si on change pas quelques joueurs, si le coaching staff et que ce soit défensif ou Pederson se décide pas à sortir des mecs ou à innover un peu, on va perdre de 10 points tous les jours. Mais est-ce que Doug Peterson a l'imagination pour innover? Bah, c'est l'occasion de montrer. C'est Non, l'occasion. S'il puisque réagit c'est une pas là, fraude. non mais s'il réagit pas là. Tu vas jouer la draft, hein. Là, par contre, c'est sûr. Mais est-ce que ça serait une mauvaise chose sur le long terme? Bah, commence pas à vouloir faire tanker comme ça. Je parle pas de tanker, moi je te dis juste que on en est à un point où Loïc, moi, franchement, supporter si des ça. New York Knicks depuis 95, le mec il est traumatisé, ça fait 25 ans qu'il tank, il voit du tank partout. Moi, je suis pas Non mais fan d'Elix. calme-toi Je suis quoi. pas fan d'Elix, ça Non va pas non la mais tu tête. vois ce que je veux dire dans le principe. Non, moi Non mais non, tu peux pas tanker au bout de 3 matchs, essaye je au n'ai moins pas putain. parlé de tanker, je t'ai dit, est-ce que si à la fin de la saison on est 3-12-1, est-ce que sur le long terme ça peut pas être une bonne chose? Regarde la dernière saison d'Andy On Reid. va prendre un linebacker en top 5. Vous avez bégayé. Parce qu'on va prendre Micah Parsons. Hein. On va le ramener à la maison. Oh mon Dieu, t'arrêtes jamais avec les linebackers, c'est pas possible. Non, mais on en reparlera un jour quand on parlera draft. C'est une sorte de defensive end linebacker. Enfin, c'est un phénomène, Micah Parsons. Mais on en parle dans Quasiment tout le monde la le draft, met on en top commence à en 10. parler dans 4-5 semaines, non? Ouais. Non, mais. Ah, qu'est-ce que tu veux? Pour l'instant, on va essayer de gagner des matchs déjà. Non, mais Comme vraiment, mais l'a je vois dit pas. Greg, comme l'a dit Greg, la NFC Est n'est pas Mais perdue. non, mais Enfin, c'est on ça a qui est un fou. demi-match de C'est retard. ça qui va nous On a tenir, les un mecs. demi-match de C'est retard. ça qui va nous tenir. C'est ça qui va tenir ceux qui nous écoutent. Vous qui êtes fans des Eagles, Même qui à écoutez ça, 6-8, c'est ça. on pourra gagner la division. C'est ça qui va nous tenir. Et puis tu sais pas, la magie. Mais par contre, j'ai regardé le match de Dallas contre
les Seattle et les Seahawks, ils jouent mieux que nous, hein. Je vous le dis, hein. Ah Si on bah eux joue c'est Dallas, binaire, si on joue Dallas c'est-à-dire au ils ont niveau, une attaque. si on joue Dallas au niveau Ils ont qu'ils ont une joué les attaque Seahawks, on incroyable. perd, hein. Mais on se Non large, mais hein. Dallas, l'attaque carbure comme prévu. Par contre, on avait dit qu'ils auraient un peu de mal en défense. C'est pas un peu de mal qu'ils ont en défense, c'est qu'ils se font ouvrir toutes les Oui, semaines. Ils en ont mais pris sauf que nous, on joue 39 par pas comme attentat. Russell Wilson, hein. Ils en ont pris 40. Oui, non mais exactement. Non mais alors, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que le pire, c'est qu'ils ont des raisons de s'enthousiasmer. L'attaque, elle tourne. Il faut juste qu'ils fixent leur problème de défense. Et il faut rappeler que, contrairement à nous, ils ont un nouveau coach, enfin, tout un nouveau coaching staff. Faut du temps aussi, ils vont aller en s'améliorant. Et je pense que, globalement, à la fin du premier Eagles Cowboys, on aura déjà plus d'espoir de gagner la division. Mais enfin, on verra à ce moment-là. Parce que là, le problème, c'est que leur défense est nulle. Mais franchement, là, si elle est aussi nulle au moment d'affronter Dallas et que les receveurs des Eagles ne font rien, bah là, c'est bon, la saison. Et de toute façon, il faut battre les 49ers, hein, parce que derrière, il y a les Steelers, c'est pas gagné. Les Ravens, je pense que la rediffusion, elle sera pas sur le NFL Game Pass, elle sera sur Pornhub. Ouais. Ah bah là, je regarde Non, pas, hein. mais Je te le dis, hein. Ah bah, moi, je vais le regarder quand même, parce que c'est beau Ça avoir va joué, les être le Ravens, match. En mais... fait, on peut faire contre toutes ces équipes-là, et par la suite, hein, derrière, le match contre les Saints, quand on se fait ouvrir 203 à 2. Ouais, 48 à 3, je crois. Et puis il y avait le Tampa Bay 2015 aussi, on s'était fait Mais ouvrir. non, mais je suis sérieux, par contre, Victor, je suis pas dans l'humour, là. On peut se faire Ah non, mais ouvrir on le va. match des Saints, Y a un monde où franchement. on se prend, 45-3, oui, bien Bah, il y sûr. a même une possibilité que tu arrives en 7e semaine, comme je l'ai tweeté là hier, où les Eagles sont à 0-5-1 contre les Giants qui sont à 0-6. Oui, c'est Et vrai, c'est ça vrai. va être un match en prime time, ça va être marrant. Alors, on est Non, mais désolé vous auprès de tous savez ceux qui que... nous écoutent, qui sont fans des Eagles, qui espéraient un peu d'espoir. Parce que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes fan et que vous êtes là-dessus. Mais il y a un moment, il faut qu'on soit le plus objectif possible, le plus neutre possible. Non, ça, on peut pas. Et puis, il faut aussi qu'on laisse parler les émotions. Et les émotions, c'est. Vous avez vu, on était en colère les premières journées. On est moins en colère. On est dépité. Et je trouve ça tellement plus triste. Non, mais Mais c'est ça tu qui sais est que moi, terrible. je... Moi, non, mais on est résigné, dépité, tout ce que tu veux, c'est ça qui est terrible. Et moi, tu sais, là, toutes les 2 semaines, je fais un article sur Touchdown Mactus, c'est le power tanking. C'est un truc un peu humoristique sur les équipes qui peuvent jouer le premier choix de draft. Je suis en train de travailler un peu celui qu'il y aura en semaine 4. Je me dis, ok, on met qui derrière nous? Les Jets Oh, sont. Enfin, les c'est deux équipes qui nous cataclysmique du tiendraient, front quoi. office autour. New York Giants. Pareil, c'est catastrophique. Donc, comme tu dis, il y a deux équipes de New Jersey, au revoir, puisqu'on rappelle que la seule vraie équipe de New York, c'est les Buffalo Bills. Et donc, il y a eux deux, ok? Franchement, donne-moi une équipe que tu mets derrière les Eagles après ça. Ouais, parce que les Falcons, ils Washington, choquent ils nous ont sur choquent. battus. Les Falcons, c'est choke sur choke, sauf Les que eux, au Bengals, moins, ils peut-être les ont. Bengals. Mais non, Peut-être les Bengals. non, En attendant, on n'a même franchement. pas été capable de les battre. Ouais, mais eux non plus. Non, mais d'accord, mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans le bottom 5, Bien quoi. sûr. Si on réagit pas, on est dans le bottom Bah, en 5. fait, il y a six équipes qu'on peut encore gagner un match. Dans les six équipes, t'as les Texans, les Vikings et les Ouais, mais Falcons. les Texans, ils se prennent Ravens, Chiefs, Steelers. Ouais, Tu peux voilà. pas en vouloir d'être à Ouais, 0-3 non mais plus. enfin, c'est des matchs qu'ils doivent gagner vu leur saison dernière, vu leur quarterback, Non, moi je suis vu pas leur d'accord. équipe. Ils Non, peuvent ils en doivent gagner pas un sur les battre les trois. Chiefs Ils et les peuvent en gagner Ravens. un sur les Oui, trois. ok, 1 sur les 3, enfin. Mais Tu après, peux pas leur non, en non, non, vouloir. franchement, comme tu dis, les deux équipes de New York et quelle est la sixième équipe? Ah, les Broncos aussi en ce moment, c'est. Ah oui, et Broncos, s'ils arrêtent pas de perdre 4 titulaires par semaine, ils peuvent finir très bas aussi, Bah, oui. c'est pareil, ils sont Ils vont champions de la draft, eux. titulariser. Alors, ils vont titulariser Ripien ce jeudi. Et alors, je ne sais pas qui chez Touchdown Mactu va faire ce succulent Thursday Night Football entre les Denver Broncos avec la moitié d'équipe à l'infirmerie contre les New York Jets. Qui a aussi Mais alors, la je peux moitié de vous l'équipe à dire. l'infirmerie. Rah, je peux vous dire que ça va être incroyable ça. Je pense que c'est Alain, il va pas trouver un volontaire pour le faire. Il va être obligé de se taper. Il va être ravi. Oh, Broncos Jets, putain. Tu me payes, je me lève pas, quoi. Et sinon, Si, vous êtes. si, tu me payes, je me lève, moi, je te dis, hein. Non, non, déconne pas, quand même. Tu me Et payes, je sinon, me lève. Toi, En t'es un homme gros, d'argent. comme on fait un point sur ce qui se passe un peu en NFL, vous avez vu là les premiers cas de Covid chez les Titans?
C'est les Titans, Ben ça, de toute façon, Donc, c'est inévitable. Pourquoi ça n'arriverait pas? non, Ça va mais arriver, hein. la NFL est même plus capable de mentir aux gens. Et pendant 3 semaines, ils ont menti à tout le monde en disant qu'il y avait zéro cas pour préserver des intérêts économiques. Continue, mon gars, continue. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Non, mais je sais pas. Je sais pas ce que ça En va tout cas, bravo donner. à ce seul sport au monde qui n'est pas touché. Quel talent. Ah bah évidemment, hein, c'est de toute façon. Non, il y a la NBA aussi. Les mecs, ils vont voir des stripteaseuses ce soir, mais personne n'a le Covid. Non, bah, Enfin, au moins, la je sais NBA a pas fait quoi une dire. bulle. Hein. Elles sont attaquables Oui, sur oui. mille trucs, mais bon, Non, mais en Non, mais. NFL, c'était pas possible la bulle. Non, bien sûr Non, que mais non, c'est donc. pas possible. Bien sûr que non, bien sûr. Donc, du coup, est-ce qu'on aura des matchs reportés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire une suppression de bye week? Moi, je Sauf pense que, pas. à mon avis, il y a de grandes chances qu'ils aient pas la bye week la même semaine. Enfin, il y a Non, mais pas. après, On ce qui peut se va pas passer, c'est que tout. Tu décales les white cards d'une semaine? d'abord, tu peux changer un peu ton calendrier sur la fin, effectivement, à partir des playoffs. Et puis, tu peux aussi changer ton règlement, ce qu'ils ont fait en Ligue 1, quand les mecs te disaient qu'il fallait 3K, les mecs 4K avec le staff et tout. Bon, bah là, tu te dis, tu peux trouver un peu ton practice squad, tu peux changer les mecs 10 minutes avant le 20 minutes, et puis tu peux. Oui, mais si t'en as 15 qui sont C'est positifs. compliqué, ouais. Moi. Bah, faut trouver le nombre, faut trouver jusqu'à combien tu peux le faire. Jusqu'à 15, c'est jouable. Si ça tombe dans la semaine. Tu joues avec Les le bout du Titans bout et les free agents qui qui, je traînent, si tu veux. vérifie, Et tu les joues. Titans, ils Affronte les doivent. Ah, les Steelers. Steelers. Sachant que les Steelers, la semaine d'après, affrontent les Eagles. Donc, pour peu que les Steelers, ça se joue et Oh, qu'ils chopent le oh. Covid. Alors. Donc tu es en train de nous dire, parce qu'il faut quand même un peu d'optimisme, qu'on va battre les 49ers qui ont la moitié d'équipe blessée, et que derrière on va affronter les Steelers qui ont la moitié d'équipe en Covid-19 liste, et qu'on va les battre aussi. Oh là là, Et on on va devient sur une positif saison après? Enfin, incroyable. positif dans le sens classement? Oh, c'est top. Non mais même quand t'as practice squad des Steelers, on va punter pour préserver le match nul, t'inquiète pas. Ah, mais Ah nous, on n'empêche, sera premier de division. s'ils ont le Covid, ça sera peut-être le seul moment de la saison où ils seront positifs. Hein. Et Non, bah, mais. puisqu'on fait un petit tour de NFL, moi j'ai un dernier truc à dire pour avoir regardé le Chiefs Baltimore, c'est que je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va gagner des titres ces 10 prochaines années si t'es pas supporter des Chiefs. Ouais. Parce que Mahomes, c'est quand C'est même un extraordinaire. phénomène incroyable. Enfin, je veux D'ailleurs, dire j'ai une question pour franchement. toi, Victor, vu que tu l'es. C'est qui appelle les jeux? C'est le coordinateur offensif ou c'est Andy Reid? Ou c'est Mike Kafka? C'est un peu tout le monde, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, les insiders, j'ai l'impression qu'ils sont pas. Je pense que c'est Andy Reid principalement. Mais apparemment, sur certains drives, il laisserait Bien-Aimé les appeler. Je sais pas comment il fonctionne, ça a l'air d'être assez collégial. Parce Je que sais du coup, pas. moi, le coordinateur offensif des Chiefs, je l'ai déjà noté sur ma Ah bah shortlist. c'est le favori, c'est le numéro 1 de la ligue pour être le prochain head coach, hein, ça c'est clair. Donc, Et pourquoi il comme n'y en a les pas chez nous? Eagles Ah oui, ont une la certaine génération. connexion avec Andy Reid, bah, je me dis, s'ils se Rappelons que séparent de Doug Pederson. c'est le successeur de Doug Pederson, hein, Ouais, parce que donc. Doug Pederson était coordinateur offensif des Chiefs. Mais bon, donc voilà, En tout cas, on digresse un peu, mais bravo. ça fait du bien de parler de C'est football. On a ça. parlé des Eagles pendant 45 minutes, alors parlons de football Ouais, un et petit peu, d'ailleurs, quoi, parce que. si vous voulez voir de la créativité offensive, regardez le résumé de Chiefs Baltimore. Et vous allez voir qu'aux Eagles, on est à des années-lumière de cette créativité-là. Ça en Et fait vous mal allez au voir cœur. que Patrick Mahomes, je crois que c'est sur la passe du 27-10, il lance en Mais reculant oui. 55 Mais yards. oui. 55 yards, en Même pour te reculant. dire, on l'a mis au zapping de l'équipe d'Estelle. Je crois que c'est pas possible, quoi, en fait, humainement. Humainement, c'est. Pourtant, je suis un Peyton Manning guy, on a vu des trucs incroyables, Peyton Manning pendant 15 ans, mais. Tom Brady, ok, il gagne 6 titres, mais il n'a jamais été dominant sur. Enfin, il a été dominant quelques saisons en Calme-toi, tant que le Manning guy quarterback pur, mais. anti-Brady, calme-toi. Non, mais Brady, c'est le plus grand joueur de tous les temps, mais ce que je veux dire, c'est qu'il gagne pas 6 titres en lançant 5 Non, bien touchdowns sûr. par match. Il a eu une ou deux saisons avec beaucoup de touchdowns, mais c'était pas son jeu, c'était pas comme ça que fonctionnait. Les Patriots, c'est avant tout une équipe. Là, t'as vraiment l'impression que t'as un mec qui va gagner le truc à lui tout seul. Alors évidemment, c'est pas vrai, il y a un coach, il y a un effectif, il y a tout ça, mais
Mais c'est juste ce sentiment que de toute façon tu peux pas perdre avec ce gars. Et Moi, c'est d'ailleurs, incroyable. Je l'ai vous regardé avez. Attends, en excuse-moi, entier. vous avez Vas-y. vu comment ils l'ont entouré, Mahomes? Tyreek Hill, Sammy Watkins, Nico Herdman, Kelsey, Edward Zeller qu'ils ont drafté là. Le mec, il a autant de playmakers qu'il veut, quoi. Donc. Bah ouais, mais en même temps, Clyde Edward Zeller, j'entends tout le monde qui me dit oui, c'est injuste que l'équipe c'est ça et tout. Il a été choisi en 32e position. Hein. Donc moi, je suis contre hein, choisir un running back en premier Ouais, tour, moi mais aussi. Hein. enfin que les équipes arrêtent de se plaindre parce qu'elles auraient pu le prendre aussi avant. Enfin, je veux dire, il y Là, a un c'est là, il y a moment, vraiment. ça fait. Tu peux pas te plaindre alors que c'est la règle, point, il n'y a pas de discussion. Oui, le mec, c'est le dernier choix du premier tour, donc par définition, tous les autres avant ont eu. Enfin, pas tous les autres, vu qu'il y a des échanges de pics, mais enfin, dans le principe, il y a quand même 31 choix avant lui. Donc, non, je pense que Andy Reid, il est assez incroyable. Il sait que sa ligne tient pas forcément autant qu'il le voudrait, donc il adapte les jeux en conséquence. Il sait que sa défense n'est pas extraordinaire, donc. Enfin, en tout cas, il y a des gros noms comme Chris Jones ou Non mais Tyrann Mathieu, mais il Chris y a quand Jones, même des c'est gros trous. incroyable, il est incroyable. Chris Jones, c'est incroyable. Il est Aaron Donaldesque cette année, quoi. C'est vraiment. C'est Vous vous fou. rendez compte là, Mais ça donc fait 20 minutes voilà. qu'on parle à NFL hein, et qu'on a lâché nos Eagles. Hein. Non mais ça fait 5-10 minutes, mais enfin, je veux dire, c'est le moment où je suis le plus enthousiaste du podcast. Parce que je Ouais. parle de ce que j'aime, parce que je parle de foot, et c'est ça où c'est C'est terrible. pour ça, Enfin, je c'est veux bien. dire. Non Non, mais mais les Eagles, ça restera en toujours fait, les Eagles, on en revient à mais la là. conclusion. On perd, ça fait chier, c'est sûr, ça nous énerve, ça nous rend triste, mais le pire, c'est qu'on se fait chier. On se fait C'est chier ça. en Non, mais attaque, c'est ça. en défense, et même en special team, même si en special team, ça couvre bien. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu un joueur qui pouvait marquer un retour de punt ou un retour de kick-off? Ah non, mais c'est. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression que. Ça On se fait ronronne, chier. et On se ça fait chier. On se fait ronronne, et c'est chier. On se fait pas chier. bon. Voilà. Moi, je préfère perdre en essayant que de faire match nul en n'essayant pas. Eh ben c'est beau Voilà. pour finir, tiens. Bon. Eh ben, on va arrêter là-dessus. On a un peu digressé, mais à un moment, on a cette liberté-là aussi. C'est l'avantage de pas être institutionnalisé. On fait un peu des hors-sujets parfois, et c'est aussi le bonheur de faire ce podcast avec vous. Merci Grégory, Merci merci à toi. Loïc, Merci merci à vous deux. Victor. Merci à tous pour votre fidélité et pour vos retours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre @EaglesFR pour Loïc, @GrégoryHR, @VictorRoulier, et continuez à partager avec nous cette passion. Même dans la défaite, on continue à vous répondre et à analyser tout Et ça. bon courage à tout le Merci monde en beaucoup. suivant ces matchs, hein, parce que C'est ça. Bon c'est courage à ceux qui se compliqué de lèveront pour le rester match des jusqu'au bout. 49ers. Allez, la bise. Allez, salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.